RP Média est allé à la rencontre de l'équipe enseignante de l'école des déficients auditifs à Bamako, au quartier Hippodrome. Fondée en 1993 par l'association malienne des sourds, cette école compte 362 élèves du premier et second cycle, pour 19 enseignants, toutes matières confondues. L'objectif de l'établissement est de permettre l'intégration des sourds dans la société et d'un point de vue professionnel. Les matières enseignées sont similaires à celles de l'école dite « normale », mais des activités culturelles sont également proposées. Les activités extrascolaires, bon, il y a le théâtre, il y a la danse, il y a le basket et il y a le football également. Et l'association est une équipe de football, de basket féminine. Les entraînements se font quotidiennement au niveau de l'école ici. Maintenant, les entraînements de football se font au niveau du CICB, le terrain du CICB. Et en dehors de ça, il y a l'équipe nationale des sourds qui doit participer à la CAN, la Coupe d'Afrique des sourds, qui doit être organisée au mois d'octobre. Ils sont qualifiés d'office. Donc, quand on voit en général, les activités culturelles permettent de socialiser ces personnes sourdes, ces enfants sourds. Parce que dans le temps, on avait vu que ceux qui ne sont pas sourds à Bamako ici, et ils avaient leur équipe, ils s'entraînaient seuls. Les enfants sourds étaient marginalisés, ils ne bénéficiaient pas de ces activités. Mais avec la Convention internationale de Genève, la Convention a demandé à ce qu'on intègre les enfants dans toutes les activités. C'est ce qu'on appelle l'inclusion. Si les enfants maintenant doivent jouer au football, il faut qu'il y ait au moins des enfants handicapés dedans. Ça crée une cohésion, les enfants ils grandissent ensemble, ils savent ce que c'est que le handicap. Donc voilà pourquoi nous aussi on a essayé de créer ces cellules culturelles. Le premier partenaire de l'école est le gouvernement via le ministère des Affaires sociales qui octroie un budget de 3 millions de francs CFA à l'établissement. Ces 3 millions servent entre autres à payer l'eau et l'électricité. Les autres charges, telles que les salaires des secrétaires, chauffeurs et gardiens, sont payées par l'école. Des bénévoles y travaillent également. Pour obtenir ces fonds, l'école compte sur les frais d'inscription et cotisation trimestrielle de ses élèves, respectivement de 1 500 francs CFA et 6 000 francs CFA. Ces fonds sont assez difficiles à récupérer, car la plupart des parents ne s'en acquittent pas. Cela se ressent sur la bonne marche de l'école, puisque le car scolaire de l'école est constamment en panne, privant certains élèves d'école, et la cantine n'est pas fonctionnelle. L'école a un compte plutôt à la banque. Si tout partenaire qui veut nous aider, nous avons notre numéro de compte. Il y a des élèves qui sont sourds muets de naissance, mais beaucoup, c'est par suite de la méningite. Sont devenus sourds. La plupart, c'est à la suite d'une méningite. Ils sont âgés parce que beaucoup viennent de 4 ans, même après 20 ans. Donc, s'ils viennent, ils commencent par le jardin. Jusqu'à quel âge? Même à 11 ans, on les inscrit, ils viennent au jardin, même à 11 ans. Oui, après le jardin, ils passent. Il commence le premier cycle, la première année. Maintenant, arriver au premier cycle, c'est après les compositions mensuelles, c'est en fonction du sang qu'on fait passer les enfants. Et oui, il y a un élève qui a poursuivi, il est maintenant à l'université, il est aux États-Unis, à l'université de Gallaudet. Il était là même, il était là, mais il est allé il n'y a même pas deux semaines. Donc normalement, il doit terminer l'année prochaine. Il y en a d'autres qui ont continué leurs études supérieures à Bamako ici? Non. En tout cas, après le DEF, c'est le gros problème parce que quand ils passent au DEF, ils ne sont pas orientés. Donc c'est notre premier problème aussi. Parce que quand ils passent au DEF, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Donc il faut que le gouvernement aussi pense. Les élèves qui passent au DEF, il faut qu'on les oriente, soit au lycée ou dans les écoles de formation professionnelle. L'école est là pour éduquer les enfants. Après, comment on appelle l'obtention du DF, ces enfants n'ont plus de structure de continuité, ça c'est vrai. Mais l'école, c'est l'association qui gère ce côté formation, l'association malienne des sourds. Donc l'association a partenaire avec pas mal d'ONG comme Handicap International. Il y a de cela 2011 et 2012, Handicap International a initié un projet qu'on appelle PIPROF. C'était 1, 2, PIPROF 1 et 2, c'est-à-dire que projet d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Donc il y avait plusieurs volets, et ceux qui veulent monter des AGR et ceux qui veulent suivre des formations professionnelles. Donc il y a les SOL qui ont obtenu le DF, beaucoup sont allés dans ce projet-là. D'autres, les filles ont suivi les formations dans le domaine de la coiffure, couture, d'autres c'est la teinture. Maintenant les garçons, d'autres sont allés à la maçonnerie, maçonnerie, électricité bâtiment, la plomberie et le carrelage. Ce projet a duré 2 ans. Et maintenant, au niveau de, comment on appelle, étatique, franchement, l'État n'a pas une vraie politique. On a essayé pas mal de choses, d'approcher le gouvernement, essayer de leur faire des propositions. Pourquoi ne pas créer un centre professionnel dans cette école? Il y a de l'espace. On peut créer des centres professionnels ici, où les sous vont apprendre directement des métiers ici. Parce que le problème, c'est quoi? C'est le problème de la communication avec les formateurs dans les autres structures. Quand si on les oriente dans les écoles, qu'il n'y a pas d'interprète qui puisse expliquer à l'enfant, voilà ce que le prof dit, c'est difficile. Alors que si on construit des centres dans les écoles directement, on peut détacher des enseignants dans ces centres-là qui vont travailler avec des comment on appelle, les maîtres artisans. Donc le gros problème, c'est le blocage, c'est au niveau de l'État, parce que l'État ne voit pas la nécessité de former ces jeunes-là. Comment se fait-il que des jeunes ils vont compétir dans les mêmes centres avec les enfants dites, entendant bien, dites normales, guillemets, et dès qu'ils ont leur DF, ils sont rejetés. Mais le gros problème aussi, c'est les parents d'élèves. Les parents ne suivent pas ces enfants. Les parents croient que c'est l'école qui doit tout faire, ou bien c'est l'association qui doit tout faire pour ses enfants. Une fois qu'ils envoient l'enfant à l'école ici, ils ne veulent même pas payer les frais mensuels qui s'élèvent seulement à 2000. Alors qu'ils ont ces mêmes enfants qui sont dits entendants, ils sont dans les écoles où on paye à 100 000 par mois, ils le payent. Mais 2000 francs ici, c'est impossible. Donc finalement, quand on regarde, et les parents et l'État ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire pour ces enfants. Et depuis 2009, jusqu'à aujourd'hui, chaque année, nous organisons des cours de vacances en langue des signes, à l'intention des parents, pour que les parents puissent communiquer avec leurs enfants. Mais les parents, le premier jour, tu vas avoir une cinquantaine de parents. Le second jour, des parents vont te demander, il faut nous payer notre transport, on n'a pas les moyens pour venir chaque fois assister. On leur dit, mais nous, on veut vous faciliter l'accompagnement psychosocial de vos enfants. C'est-à-dire qu'à vous apprendre à communiquer avec vos enfants à la maison, c'est déjà un très grand pas. Mais si encore on doit vous payer votre transport, ça c'est encore difficile. Donc ce qui veut dire que le premier blocage, même, c'est au niveau des parents. Les enfants, les parents savent que les enfants ont obtenu leur DF, mais ils vont s'asseoir, ils vont regarder, ils ne vont pas réagir. Quelles sont les démarches? Qu'est-ce que les parents même peuvent faire pour les enfants aussi? C'est la grande question que nous nous posons ici. Et comment les enfants ils vivent ça? Les enfants? Bon, les enfants, ils n'ont pas le choix parce qu'eux-mêmes, ils ont un problème de repère, ils ne savent pas où s'orienter eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire seul leurs courses, tout ça, et aller là et l'autre. Bon, l'autre qui a obtenu son DF, qui est allé jusqu'à l'université à Galodé, lui, il a eu plus de chance parce qu'il était bien encadré, bien suivi par les parents. Quand il a eu son DF à l'école ici, il a été orienté au lycée avec les personnes dites normales, entre guillemets. Il a été privé souvent deuxième de sa classe jusqu'à la terminale. Et lorsqu'il a, il a obtenu son bac, Dieu merci, c'est l'ambassade des États-Unis qui a obtenu une bourse pour aller étudier à l'université de Galodé. Parce qu'en Afrique, ici, bon, il n'y a pas vraiment d'université pour les personnes sourdes. Donc, il est allé aux États-Unis en train de pousser ses études là-bas. Donc, rares sont ces ceux qui peuvent bénéficier de la chance qu'il a pu obtenir. Donc, il était beaucoup accompagné par les parents. Ses parents venaient chaque fois. Le surveille, ils viennent voir le directeur. Nous aussi, l'État, il a été projeté. Mais avec les autres, ce n'est pas comme ça. Le rôle des parents est primordial. Est primordial, bien sûr. Pour que les parents s'impliquent. Donc, comment on peut aider, surtout dans le domaine éducatif, c'est-à-dire que le système d'éducation, de formation des maîtres n'est pas adapté aux enfants dits handicapés. Ici, c'est une école spéciale. C'est-à-dire l'IFM, l'école de formation des maîtres, il n'y a pas une structure spéciale pour former les enseignants du spécial. C'est-à-dire les enseignants, on les forme avec le système classique et après, on les oriente dans les écoles spéciales. Un enseignant qui a été formé dans une institution de formation des maîtres qui vient ici, il ne connaît pas la langue des signes. Il est obligé d'abord d'apprendre la langue des signes avec les écoles, avec les élèves qui lui enseignent dans les classes. Il écrit « bonjour », c'est l'enfant qui va lui dire d'abord aux parents « bonjour ». Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans avant que lui ne maîtrise la langue des signes. Donc c'est déjà un problème pour les enfants. Donc ça commence d'abord par la formation même des maîtres, ça c'est un. De deux aussi, il faut la formation, il faut former aussi des interprètes. C'est très important parce que s'il y a les interprètes, et même les maîtres ne sont pas formés, les interprètes dans les classes peuvent accompagner directement les maîtres.
Deuxième, il faut aussi des interprètes. Pourquoi? Pour faciliter l'accès aux services de base aux personnes sourdes. Ici à Bamako, s'il y a un sourd qui a des problèmes, qui va aller se faire une pièce dentée au niveau du commissariat, c'est difficile pour lui de communiquer avec le policier. S'il veut s'établir une pièce d'identité, c'est difficile. S'il va aller à la mairie pour se faire un extrait de naissance et autres, ben la justice, c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'interprète pour accompagner ce sourd. Donc, là, ils n'ont pas accès aux services de base. Ça, c'est déjà un gros problème. Le problème d'accessibilité est un gros problème aussi pour le sourd. Parce que ici, je constate qu'on a un peu mis la charrue avant le bon. On a créé l'école, mais il n'y avait pas d'enseignants formés. Et comment vous avez appris ici à vous faire la langue des signes? C'est le gouvernement qui a eu l'idée. Bon, on a envoyé les maîtres ici, mais on a appris toute la langue des signes ici, sur l'état ici. Chacun, quand on vient, on apprend ici la langue des signes avec peut-être souvent avec. Il y avait des Béninois qui sont venus une année nous former ici à langue des signes. On travaillait aussi avec un partenaire français. Mais actuellement, on a abandonné la langue des signes française, on utilise la langue des signes américaine. D'accord, donc ce n'est pas la même que celle qui est utilisée en France. Et c'est quoi la différence ici? Oui, il y a d'autres signes qui sont les mêmes, mais d'autres signes qui sont les signes sont différents. La première personne qui est venue en Afrique en signant la langue des signes, c'est un pasteur américain qui était lui-même sourd. Donc il a sillonné un peu partout l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest. Il est passé en Côte d'Ivoire, Togo, Bénin. Il n'est pas venu au Mali. Il est arrivé au Niger et après jusqu'en Afrique du Sud, l'Afrique subsaharienne. Donc c'est lui qui a propagé la langue des signes en Afrique. Donc c'est la langue des signes que la quasi hormis l'Afrique du Nord, le pays Maghreb, Tunisie, Égypte, ça, ils ont leur langue des signes. La langue des signes n'est pas universelle. Mais chez nous, on a eu la chance qu'un Américain soit venu, qui a propagé la langue des signes, un passeur américain, un Nord-Américain. Donc c'est lui. Ce qui fait que nous, au niveau de l'Afrique, on a une langue des signes uniforme. Si je vais en Côte d'Ivoire, c'est la même langue des signes. Si je vais en Afrique du Sud, c'est la même langue des signes. Par contre, si je vais en France, c'est la langue des signes française. En Italie, c'est la langue des signes italienne. En Allemagne, c'est la langue des signes allemande. Maintenant, ils sont en train de réfléchir maintenant, après le congrès de Durban, réfléchir comment créer une langue des signes universelle. Mais c'est pas encore le projet est en cours, mais c'est pas encore finalisé. Mais seulement qu'il y a une autre langue aussi qu'on appelle la langue des signes Bambara. Parce qu'avant la création des écoles sourds, les sourds qui n'avaient pas accès à l'école, ils avaient le besoin de communiquer. Ils se retrouvaient souvent soit devant la grande poste de Bamako, où il y a l'ancien cinéma. Donc eux, comme il n'y a pas eu de cours, comment ils pouvaient communiquer? Ils ont créé, même ils se sont entendus sur des gestes. Bon, ça c'est le dire bonjour, ça c'est tant, ça c'est papa, ça c'est maman. Donc ils ont l'air là des signes aussi à Bamako qui est la langue des signes locale, qu'on appelle la langue des signes Bambara. Donc il y a des sourds qui sont à l'école, souvent qui emploient ces deux langues-là, qui utilisent ces deux langues. Ils peuvent mélanger la langue des signes Bambara et la langue des signes américaine. Parce qu'il faut comprendre quand ils sont en face d'un sourd qui n'a pas été à l'école. C'est comme ça. Et vous savez parler les deux langues ici? Un peu. Oui. Plus la langue des signes américaine que la langue des signes Bambara. Ça, c'est la langue des signes américaine. Bon, bonjour. Bonjour. Monsieur, non. Merci, merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comment ça va? Comment ça va? Elle est simple, celle-là, je suis comparée à la française. Si, le problème, c'est quoi? C'est que la langue des signes américaine, il y a 3 ou 4 lettres qui sont différentes. Sinon, la plupart, l'alphabet est pareil. L'alphabet est un peu pareil. Seulement, il y a 3 lettres ou bien 4 qui sont différentes. Le H. Tout à fait. Ce que je peux dire, les anciens, là, quelque chose qui les retient. C'est-à-dire que c'est le sport en général qui les retient, c'est saoul. C'est-à-dire ceux qui ne sont plus à l'école, qui ont une activité, qui ont un métier, c'est-à-dire qu'ils ont un programme sportif. C'est-à-dire que soit le week-end, ils se retrouvent, les matchs de rencontres de football, c'est un. De deux, il y a aussi un lien avec les éducateurs et les enseignants qui sont à l'école ici. Parce que s'il y a un sourd qui n'est plus à l'école, qui travaille, qui veut se marier, il choisit soit le directeur ou bien un enseignant qui va choisir d'intervenir. Si vous voyez une fille sourde qui veut marier, donc c'est nous qui servons maintenant d'intermédiaire entre les parents. On va voir le parent de la fille pour dire, bon voilà, il y a tel sourd qui veut, marier ta fille, voilà.
Et on va voir le parent de l'autre aussi, l'intéressé aussi, le garçon. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est un. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, s'il y a un sourd qui a des problèmes au niveau de son service, on nous fait appel, on va pour intervenir. S'il y a un sourd qui a un problème au niveau de la justice, nous, voilà ces liens qui nous retiennent un peu. Ça veut dire que les liens ne peuvent pas être brisés parce que les liens qui nous retiennent, c'est beaucoup basé sur la communication. Ils n'ont pas quelqu'un qui puisse leur accompagner dans ce genre de domaine. Quoi. Voilà, ce qui fait que les liens sont toujours resserrés. C'est tout resserré, resserré. En attendant qu'il y ait des interprètes qui soient formés par l'État, c'est vous qui faites ce rôle-là. Oui. Ouais. Bien sûr. Parce que les sourds qui sont en Europe, ils ont plus de chance que les sourds qui sont en Afrique ici. Parce que moi, j'ai eu la chance de voyager un peu, j'ai vu un peu comment les autres sont dans les autres pays. Il y a les interprètes qui sont payés. Il y a les éducateurs qui sont là pour accompagner ces sourds et tout. Donc c'est bien structuré. Mais au niveau du Mali, bien en Afrique, là, c'est beaucoup reste à faire pour les personnes en situation de handicap. Surtout les personnes sourdes, c'est difficile. Est-ce que vous savez combien de sourds il y a qui sont. Est-ce que vous savez combien de sourds il y a au Mali aujourd'hui ou à Bamako? Les sourds, ils sont. Passons en récents avec les cartes laquelle l'association essaie de découler. Les cartes des membres. Il y a à peu près 2300 sourds sur le territoire du Mali. Ouais. Voilà. Qui ont une carte des membres. Une carte des membres. C'est à partir des cartes des membres parce qu'il fait les statistiques là, ça demande un peu normalement de moyens. Voilà. Mais comme il y a aussi des écoles dans les autres régions du Mali, il y a une école à Sikasso, il y a une école à Koutiala, il y a une école à Ségou, il y a une école à Goundam aussi. Il y a cette école sur. Oui. Cette école. Et vous êtes en contact avec eux? Oui, bien sûr. Oui, nous sommes en contact avec eux. Bon, il y a un problème très important que j'avais oublié pour créer. Vous avez demain les relations sur le plan relationnel. C'est-à-dire, avec le conflit, le coup d'État qui s'est passé au Mali ici. Beaucoup de sourds qui regardent la télévision, ils voient les images des guerres, les gens sont entrés. Donc, beaucoup, chaque matin, ils viennent à l'école ici. Ils viennent nous voir. Personnellement, moi, ils viennent nous voir, mais je viens à la télé, tel type, ils parlaient, bon, j'ai rien compris. Donc, nous, on leur transmet toutes ces informations-là. On leur dit, bon, voilà, ça c'était temps, que ce soit les accords de Ouaga, de quoi, qu'est-ce qui se passe, et ainsi, tout ça. On a même bousculé le gouvernement pour qu'on puisse avoir l'espace pour l'interprétation en langue des choses. Dieu merci, il y a le Rotary qui veut nous aider dans ce domaine-là. L'interprétariat au niveau de la télévision pour que le sourd ait accès aux informations. Dieu merci. On remercie Handicap International. Et plutôt le Rotary Club de Titibourou qui veut vraiment, moi j'ai exprimé le problème au président, non pas HI, le Rotary Club qui veut vraiment faire quelque chose dans ce domaine-là. Secondo, il y a aussi le Rotary Club aussi. On avait sujet le problème de la détection précoce de la surdité. On avait un problème d'audiométrie. C'est comment on appelle l'orthophoniste qui est là. Il est avec son assistant. On a fait une demande au niveau du Rotary Club et ils nous ont donné l'audiométrie qui est là que vous voyez présentement. Voilà. D'accord. Qui est très performant, qui est très moderne. Parce qu'en mal des assises scolaires, il y a le centre de dépistage qui est là. D'accord. Et donc vous, en fait, vous êtes orthophoniste. Orthophoniste. D'accord. Donc c'est quoi votre rôle, vous, dans cette structure-là? En mal des assises scolaires, il y a le centre de dépistage qui est là. Nous intervenons d'abord pour la détection de la surdité. Et comment vous faites pour acheter votre travail, mais comment ça se passe en général? On a une cabine ici. Chaque enfant doit passer pour être testé. On fait le programme. À partir de là, on essaie d'insérer les sourds profonds, les sourds moyens, les malentendants pour être classés. C'est en fonction de votre rendez-vous que vous classez les élèves dans les classes. Oui. Tout à fait. Donc en fait, chaque élève qui doit rentrer dans votre centre, faut forcément qu'il passe un. Ici, un d'abord, tour. Avant de s'inscrire. D'accord. Et pour la prévention, comment vous. Voilà, on a des problèmes pour ça. Parce que ça, c'est bienvenu, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Normalement, on a besoin d'un PEA pour les tout petits. Un PEA, dites-nous, c'est quoi un PEA? Protection évoquée, auditif. Ça permet de mesurer l'audition de l'enfant sans qu'il n'intervienne pas. Là, on peut le savoir. Même à l'hôpital, il n'en a pas.
Justement, parce qu'ils disent qu'à 6 ans, à 7 ans ici, encore quand tu vas à l'autogramme comme ça, ils ne peuvent pas tester. Parce qu'ils ne réagissent pas. Et vous savez si dans Bamako, il y a un appareil de ce type-là? Non. Il a dit, mais Gabriel Touré, Non. Sauf, il y a un certain panogramme qui est ici. Seulement parce que, même si c'est limité, parce que même les écoles, les enfants des autres écoles ne peuvent pas venir ici. Donc avec ça, on peut se déplacer, on peut faire des tests. Prévention. Or, il y a beaucoup d'enfants qu'on peut sauver. Si on arrive à faire leur audiomètre, on peut les appareiller. Et pour l'appareillage, vous avez des... On n'a pas les appareiller, on peut même faire la réparation des appareils. Ah, c'est déjà très bien ça. C'est déjà un... Mais souvent, c'est les appareils qui manquent. Les appareils pour tester le... Non. Les appareils auditifs. Auditifs, oui. Ah, vous en avez pas. Voilà, la prothèse qui manque. Sinon, il y a certains enfants, il faut aller dans l'école normale. Qui en ont, oui, c'est très bien. S'ils sont appareils seulement, ils peuvent aller à l'école. En France, ça malheureusement, il y a eu un seul qui a eu le courage de le faire. Après, ça n'a pas marché. Parce que ce qui se passe, même les piles qu'on achète là, les parents demandent que l'école nous donne les piles. Ouais. C'est un problème d'éducation. Ça là le problème. Il n'y a pas de suivi. Mais vous, en tout cas, vous avez la possibilité de les réparer, de les mettre en place, de les installer. Ça, c'est votre domaine, ça, vous gérez tout à fait. Mais le problème, c'est le matériel. C'est le matériel. En fait, le domaine, c'est un autre. Heureusement, vous avez nous a procuré ce matériel, c'est très bien, c'est très efficace. Elle peut s'appeler dans les 300 000. D'accord. Et cette machine? Et l'audiogramme, là, l'audiomètre, c'est comme ça. 300 000. Oui. Et les appareils auditifs en général? Bon, ça dépend. Ça dépend. Et là, du niveau de... Il y a les allants ludiques. D'accord. Ton environnement autour de combien un appareil? Pour appareiller un enfant, combien ça coûte? Bon, normalement, ça fait 200 000 francs actuellement. Pour un enfant? Pour un enfant. Quand il y en a 302? Ah, d'accord, un bon appareil. D'accord. Il y a beaucoup d'enfants qu'on peut sauver. C'est le triple d'enfants dit normal. Quand ils sont vite détectés, vite appareillés, il faut aller à l'école normale. Et puis, ceux qui sont appareillés, on arrive à les faire parler. On peut faire parler sa fille. Comme il a dit, avec la lecture de la mère. Tous les sous peuvent parler. Le Rotary, c'est tout simplement un réseau international d'amis, de personnes, d'hommes d'affaires qui veulent servir au-delà d'eux-mêmes, si on essaie de résumer le Rotary en une phrase. Nous, il y a beaucoup de clubs de Rotary à travers le monde. Nous, à notre niveau, Rotary Club Bamako Titipugu, on a essayé de faire une analyse de la situation des surhumains. On s'est dit que ce que nous, on peut faire, c'est de leur permettre d'avoir accès aux gens disent normaux pour pouvoir communiquer avec eux facilement. On a organisé des cours avec eux, des cours de formation en langue des signes. Et également, on a essayé avec nos partenaires aux États-Unis comment les aider à contribuer un peu à soulager les difficultés qu'ils ont à répondre aux besoins qu'ils ont sur place ici. Le principal besoin qu'ils nous ont exprimé, c'est le problème de test. De taux de sourdité, comme je m'exprime bien. Donc voilà, cet appareil-là, avec l'aide de nos partenaires. On a d'abord acheté un premier appareil qui ne correspondait pas beaucoup. C'est le second-là, on nous a donné ça gratuitement parce que nous, on avait déjà acheté l'autre-là. Ils nous ont dit, bon, si vous avez besoin de ça, pour vous encourager, on va vous donner ça comme notre contribution. Voilà, en gros, ce que nous, on a pu faire dans ce cadre-là. On fait tout pour les encourager. Aller vers les autres partenaires et on est en train de planifier à long terme comment aider l'école et les élèves à aller au-delà de ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Des projets à venir? Bon, c'est les aider à avoir quelqu'un à la télévision nationale pour pouvoir
traduire, interpréter ce qui se dit. Donc, ce n'est pas concret d'abord, mais on envisage de le faire. Franchement, on est en train d'y travailler et on fera tout pour qu'on puisse trouver quelqu'un au niveau du journal télévisé pour interpréter la langue pour les sourds. P, communication. C. Voilà, c'est ça. C'est.